نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc nous continuons inshallah wa tabaraka wa ta'ala la biographie de nos savants rahimahumullah ta'ala. Aujourd'hui nous allons parler de la vie de Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ce grand savant du Yémen, le muhaddith du Yémen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc son nom était Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muqbil ibn Hadi. Son nom était Muqbil ibn Hadi ibn Qaidah al-Hamdani al-Wadi'i al-Khallali, qui faisait partie de la tribu appelée Al-Rashid. Il est né aux alentours des années 1932, qui correspond à l'année nigérienne 1352. Cheikh Rahimallah a grandi orphelin, c'est sa mère qui s'occupait de lui. Il a perdu son père lorsqu'il était très jeune, Rahimallah. Il a commencé à apprendre la science dans ce qu'il appelle Al-Maktab, une sorte de bureau, où Cheikh Rahimallah a commencé à apprendre là-bas la science, apprendre à lire, à écrire, etc. Et dans ce maktab, Cheikh Rahimallah a enseigné, il n'y avait personne là-bas pour l'encourager à continuer ses études. Il s'est donc arrêté. Et Cheikh le dit lui-même, Rahimallah, qu'il a perdu beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres savants dont on a fait la biographie, comme Cheikh l'Albani, Cheikh ibn Mubad, Cheikh ibn Uthaymin, rahimallah al-jami'a, ils ont tous grandi dans une famille qui était pieuse, une famille où il y avait des gens de science. Et Cheikh Mubad, rahimallah, lui, c'était pas son cas. Il a grandi dans un milieu où il y a beaucoup de chiites, autour de lui que des chiites, avec personne autour de lui qui puisse l'encourager, qui puisse le guider, qui puisse le conseiller dans son apprentissage de la science. Cheikh Rahimallah était voué à lui-même. Ensuite, Cheikh Rahimallah a voyagé en Arabie Saoudite. Il a voyagé tout d'abord dans la région de Najd en Arabie. Il est resté là-bas quelques mois et ensuite il s'est dirigé vers la Mecque. Et il assistait à des cours là-bas dans Al-Masjid al-Haram, dans la mosquée de la Mecque. Il a demandé à certaines personnes qui donnaient des cours là-bas à la Mecque, il leur a demandé de le conseiller sur les livres qui sont bien des livres qu'il pourrait lire et qui lui seront profitables. Et on lui a conseillé Sahih al-Bukhari, on lui a conseillé Bulugh al-Maram, Riyad al-Salihin, on lui a conseillé également Fath al-Majid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid. Et Cheikh Rahimallah, à cette époque, était gardien dans un immeuble de la Mecque. Il a profité de ce travail qui, comme par définition un gardien, il a beaucoup de temps libre. Il est là, il attend, s'il y a quelque chose, s'il y a un problème. Et Cheikh Rahimallah avait le temps de profiter de ses livres, de lire ses livres et d'apprendre tout ce qui contenait. Et Cheikh Rahimallah a beaucoup été touché par ses livres, et notamment par le livre Fath al-Majid, qui parle du Tawhid, car dans la région où Cheikh Rahimallah habitait au Yémen, à Damaj, les gens
adorer autre qu'Allah, les gens demandaient, invoquaient les morts, les gens construisaient des coupoles au-dessus des tombes et demandaient le secours aux morts, etc. Et Cheikh Rahimahullah a été touché par Fath al-Majid et s'est rendu compte de l'égarement dans lequel étaient les gens de son village. Ensuite, Cheikh Rahimahullah est revenu au Yémen et a commencé à ordonner le bien et à interdire le mal. Il a vu les gens de son village qui égorgeaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il construisait au-dessus des tombes. Et comme vous savez, construire au-dessus d'une tombe est interdit en islam. Le prophète alayhi salam, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, Amara bi taswiyat al-qubur. Le prophète alayhi salam a ordonné que l'on aplatisse les tombes. Dans d'autres hadiths aussi, le prophète alayhi salam a interdit naha anil bina'i ala al-qubur. Le prophète alayhi salam, dans d'autres hadiths, a interdit de construire quoi que ce soit au-dessus d'une tombe. Et d'autres hadiths qui sont venus où le prophète alayhi salam a autorisé que l'on fasse dépasser la tombe, et les savants ont expliqué que le prophète alayhi salam a autorisé cela afin que les tombes soient différenciées, afin qu'elles soient reconnues sur terre. Pourquoi ? Car il y a d'autres hadiths du prophète qui interdisent de marcher sur les tombes ou de s'asseoir sur les tombes. Donc, pour que le musulman évite de tomber dans ce péché qui est de s'asseoir sur une tombe ou de marcher sur une tombe, le prophète a autorisé d'élever un petit peu la tombe afin qu'elle soit reconnue. Et à son retour au Yémen, Cheikh Rahimahullah a dû faire face au mépris des chiites. Et les chiites ont même considéré que Cheikh Rahimallah avait changé sa religion. Et on dit, celui qui change sa religion, on le tue. Ils avaient menacé de mort Cheikh Rahimallah. De même qu'ils sont partis se plaindre à sa famille et leur ont dit qu'ils devaient faire en sorte que Cheikh Mukbil arrête d'appeler à la chose qu'il appelle, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il arrête de dire aux gens de ne plus égorger pour autre qu'Allah, de ne plus invoquer autre qu'Allah. Sinon, il sera emprisonné. Et ainsi de suite, menace après menace. Ensuite, les chiites ont vu que toutes ces menaces n'avaient pas d'effet sur Cheikh Rahimahullah et ont donc décidé de le faire rentrer dans une école appelé Al-Jam' Al-Hadi, une école appelée Al-Hadi, pour lui faire un lavage de cerveau. On dit ce jeune homme qui nous est venu, qui nous a apporté une religion inconnue, on va le mieux et de le faire entrer dans cette école afin de nettoyer, afin de lui faire un lavage de cerveau. Et c'était une grosse épreuve pour Cheikh Rahimahullah. Et il le dit lui-même, il écoutait, ou plutôt il était obligé d'assister aux cours où les professeurs se moquaient des savants de l'islam comme Ibn Khuzaymah rahimahullah, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône. Les professeurs se moquaient des savants, et Cheikh rahimahullah au contraire, plus il écoutait ses cours et plus il détestait ses livres et plus il se rendait compte de l'égarement de ces personnes. Et Cheikh Rahimahullah était rusé et a demandé d'être transféré dans la section de langue arabe. Cheikh Rahimahullah a demandé d'être transféré dans la section de langue arabe pour y apprendre Al-Ajrumiyya et Qatr al-Nadam. Et Cheikh Rahimahullah a étudié l'arabe dans cette école et a fini Al-Ajrumiyya et Qatr al-Nadam. Il les a réétudié plusieurs fois, à tel point que Cheikh Rahimahullah avait un très bon niveau en arabe. Donc il a pris de cette école, qui à la base était pour lui faire un lavage du cerveau, Cheikh Rahimahullah a retourné la situation et en a appris, a beaucoup appris de la langue arabe.
Il y a des choses que Cheikh Rahimallah a dit qu'il ne pouvait pas cacher, comme le fait de prier les mains baissées. Car les chiites, vous savez, ne prient pas, ne posent pas leur main droite sur la main gauche sur la poitrine pendant la prière. Ils baissent les mains. Et Cheikh Rahimallah savait que de poser sa main droite sur la main gauche sur la poitrine fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, mais il ne pouvait pas l'appliquer à cette époque. Ensuite, Cheikh Rahimallah est retourné à la Mecque, est retourné en Arabie Saoudite, et il est parti à la Mecque où il travaillait le jour et étudiait la nuit. Cheikh Rahimallah travaillait le jour et étudiait la nuit. Ensuite, Al-Ma'had Al-Makki, Ma'had Al-Haram. Donc, Al-Ma'had Al-Haram, ce sont des cours qui sont donnés à la mosquée de la Mecque, directement par les savants. Et à l'époque, la première fois que Cheikh Rahimallah était parti, il y avait des cours à la mosquée, mais ce n'était pas organisé. Il n'y avait pas de cursus scolaire. Et lorsque Cheikh Rahimallah est retourné, là, Al-Ma'had Al-Haram, le cursus scolaire à la mosquée de la Mecque a été ouvert. Donc Cheikh Rahimallah, avec plusieurs de ses compagnons, ont passé un examen et l'ont réussi pour entrer dans ce cursus. Et Cheikh Rahimallah a énormément appris dans Al-Masjid Al-Haram. C'est là-bas où il a beaucoup appris, où il a appris le plus de sciences. Ensuite, Cheikh Rahimallah est parti, après avoir suivi le cursus scolaire dans la mosquée de la Mecque, il est ensuite entré dans l'université islamique de Médine. Et il a choisi la section de la prêche et des bases de la religion. Et lorsque les vacances sont arrivées, Cheikh Rahimallah ne voulait pas perdre son temps. Et il a été affilié, il a voulu qu'on l'affilie à une autre section qui est Kouliyat al-Sharia. Cheikh Rahimallah est rentré ou a été affilié dans la section de Sharia, de la législation musulmane. Et Cheikh Rahimallah, à la fin, a eu les deux diplômes. Il a eu le diplôme de Kouliyat al-Da'wa et de Kouliyat al-Sharia. Et Cheikh Rahimallah dit cela pour deux raisons. La première, c'est pour apprendre le plus de sciences. Et la deuxième, c'est le fait que Kouliyat al-Sharia, c'était pour lui une révision pour ce qu'il avait appris dans l'année. Donc Cheikh Rahimallah a fait une pierre deux coups. Et en aucun cas, il n'a fait cela pour avoir les diplômes. Car Cheikh Rahimallah était connu pour ne donner aucun... pour ne donner aucune importance au diplôme. Cheikh Rahimallah, pour lui, c'est la science qui compte, et non pas le diplôme. Et plus dans plusieurs de ses conférences, il dit qu'une personne qui a un doctorat, ça ne signifie rien à notre époque. Une personne qui a étudié la science depuis tout petit est largement plus compétent qu'un doctorat à notre époque. Et ensuite, le niveau supérieur a été ouvert à Jamia, à l'université de Médine, justement pour avoir le doctorat. Et Cheikh Rahimallah a fait les examens pour y entrer et l'a eu avec mention très bien. Ensuite, Cheikh Rahimallah, après avoir terminé ses études à Médine, donc Cheikh, comme on l'a dit, il est né dans les années 1932, qui correspond à l'année 1352 de l'Hégire. Et on avait vu que le Jamia al-Islamiyya est ouverte quand? En 1961. Cheikh Rahimallah avait quel âge? 31 ans. Il avait donc il est né en 32, le Jamia est ouverte en 61. Donc il avait 29. Donc il a commencé tard, Rahimallah. Il a pu les rentrer en étant assez âgé à Jamia al-Islamiyya. Donc Cheikh Rahimallah, lorsqu'il a fini ses études à Médine, est retourné dans son pays, le Yémen. Et c'est là où il a encore rencontré le mépris et les menaces des chiites du village où il habitait, la région où il habitait. Cheikh Rahimallah, à cette époque, ne connaissait personne, ne connaissait pas de chef de tribu,
ne connaissait pas de personnalité qui pouvait le défendre ou le soutenir. Et comme il dit, et je disais souvent, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah est mon seul juge et c'est en lui que j'ai confiance. Il a même rencontré des difficultés. Donc lorsqu'il est retourné au Yémen, Cheikh Rahimahullah, certaines personnes qui étaient à Médine ont voulu lui envoyer sa bibliothèque. Car Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il est en Arabie, il a pu avoir sa bibliothèque, construire petit à petit sa bibliothèque. Et lorsque il est retourné dans son pays, au Yémen, certaines personnes qui lui voulaient le bien à Médine lui ont envoyé sa bibliothèque. Et Cheikh Rahimahullah a eu beaucoup de mal à la récupérer, a dû payer de fortes amendes. Et une fois qu'il l'a récupérée, après beaucoup d'efforts, les chiites se sont plaints auprès des autorités. Et on dit que ces livres sont des livres wahhabites, minal wahhabiyya. Les livres wahhabites, wahhabi qui signifie rien du tout, en vérité. C'est un mot qui fait plus peur qu'autre chose. Et jusqu'à le problème est arrivé aux oreilles du président du Yémen, du président yéménite. Et le président yéménite a autorisé à ce que Cheikh Rahimahullah récupère sa bibliothèque. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours victoire à ceux qui sont sincères et qui font des efforts. Et lorsque Cheikh Rahimahullah est retourné au Yémen, après avoir eu ses diplômes en Arabie, les frères musulmans du Yémen lui ont proposé d'être enseignant dans l'université de Sana'a, la capitale du Yémen. Et Cheikh Rahimahullah a refusé. Et a dit, non, je ne peux pas être enseignant dans l'université de Sana'a, je préfère retourner dans ma tribu et appeler Allah subhanahu wa ta'ala et faire la da'wah selon mes capacités. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah s'est dit, de toute façon, il les connaissait et a dit qu'il ne voulait pas avoir le même sort que tous ceux qui étaient venus, que tous les diplômés qui ont enseigné dans l'université de Sana'a, la plupart se sont égarés. Cheikh Rahimahullah a préservé sa personne et a préféré retourner dans son village et appeler ses proches à l'islam. Cheikh Rahimahullah est donc arrivé à Damaj et a vu les gens qui égorgeaient pour autre qu'Allah. Cheikh Rahimahullah les a mis en garde contre ce geste. Ils l'ont délaissé, de même qu'ils demandaient le secours aux morts. Entre autres, ils allaient dans la tombe de Al-Hadi, donc cet homme que ces gens magnifiaient. Et Cheikh Rahimahullah leur a montré que cela faisait partie de l'associanisme à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était le pire des péchés qu'Allah azza wa jalla ne pardonnera pas. Ils ont donc alors délaissé toutes ces shirkiyats, toutes ces formes d'associanisme, et petit à petit, l'appel au tawhid, la da'wah, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, commençait à se propager petit à petit. Et les gens commençaient à entendre qu'une personne appelait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seule sans rien lui associer. Et a commencé à affluer de tous les pays de la planète. Ils ont afflué, les gens commençaient à venir d'Égypte, sont venus du Koweït, sont venus d'Arabie, sont venus de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Turquie, ils sont venus d'Europe, de Somalie, et surtout ils sont venus de toutes les régions du Yémen, parce qu'ils ont entendu que ce cheikh faisait appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer, et ont entendu du bien de ce cheikh, ils ont commencé à affluer de tout coin de la planète. Le cheikh Rahimahullah accueillait ces gens et les accueillait dans la mosquée. Mais la mosquée ne leur suffisait pas. La mosquée ne leur suffisait pas. Et à chaque fois que la mosquée ne suffisait pas aux étudiants, Cheikh Rahimahullah faisait en sorte qu'une mosquée plus grande soit construite. Et ainsi de suite. Lorsque la mosquée qu'il avait construite était pleine et qu'elle était trop petite, Cheikh Rahimahullah en construisait une autre afin qu'elle puisse comporter le plus grand nombre d'élèves. Et lorsque Cheikh Rahimahullah construisait une autre mosquée,
Il utilisait les anciennes mosquées pour le bien de la da'wah. Il utilisait certaines anciennes mosquées comme cuisine, d'autres comme mosquée pour les femmes, d'autres comme bibliothèque. Il n'y avait pas de perte. À chaque fois que Cheikh Rahimallah construisait une autre mosquée, il faisait en sorte que les anciennes soient un bienfait pour la da'wah. Quant à ses professeurs, parmi ses professeurs, il y a Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Cheikh rahimahullah a appris de Cheikh Ibn Baz, Sahih Muslim, a étudié avec Cheikh Ibn Baz, Sahih Muslim, des cours que Cheikh donnait, que Cheikh Ibn Baz donnait à la mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi sallam. De même qu'il a étudié chez Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il était à Médine, il assistait aux assises privées de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. De même qu'il a appris de Cheikh Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, qui est un des grands savants d'Arabie. Et récemment, j'ai trouvé des cassettes de lui sur un site, sur islamo.com. Vous aurez des cassettes de lui, rahimahullah, notamment Sharh Kitab Tawhid, et aussi certaines émissions radio, comme je vous avais dit la dernière fois, Nourun Alta. Il y a des questions-réponses. Vous trouverez des cassettes de ce Cheikh, rahimahullah. De même qu'il a étudié l'héritage chez Cheikh Mohamed Soubaï. Vous connaissez Mohamed Soubaï? Vous ne connaissez pas? L'imam de la Mecque. L'imam de la Mecque, vous ne connaissez pas? Mohamed Soubaï. Son fils est mort, Omar Soubaï. Il était lui aussi un des imams de la Mecque. Il est décédé, rahimahullah, il n'y a pas très longtemps, dans un accident de voiture. Et son père, en général, est pris de l'Aïcha, avec une petite barbichette. Vous avez sûrement dû le voir à la Mecque. Lui, c'était un des professeurs de Cheikh Mourbé, rahimahullah. Il a d'autres professeurs avec lesquels il a beaucoup appris, notamment dans la mosquée de la Mecque et également dans l'université de Médine. Parmi ses élèves, il y a Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Misabi, qui a un dar al-hadith Al-Hudaydah, qui est un des grands mashayikhs du Yémen. Il y a aussi également Cheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri, qui est celui qui a succédé à Cheikh Rahimahullah à Damaj, celui qui donne les cours actuellement à Damaj, celui qui a pris la place de Cheikh Rahimahullah là-bas. Il y a aussi Cheikh Mohamed al-Imam, qui lui a un dar hadith à Ma'bar. Il y a aussi Abdelaziz al-Bura'i et beaucoup d'autres élèves qui sont connus au Yémen. Et Cheikh Rahimallah avait aussi des élèves femmes. Il avait aussi des élèves femmes, car la particularité à Damaj, c'est que les femmes peuvent apprendre là-bas. Il y a des cours pour les femmes, et les cours qui sont dispensés exclusivement, ou la plupart, par la fille de Cheikh Rahimallah, Oum Abdillah al-Wadiyya, et également par les femmes de Cheikh qui donnent des cours là-bas. Et elles sont considérées comme ses élèves. Cheikh Rahimallah leur enseigner à sa fille, Oum Abdillah, et enseigner à ses épouses aussi, également. Le Cheikh Rahimallah, entre parenthèses, n'avait pas de fils, avec 10 fils. Le Cheikh Rahimallah était fervent et était courageux lorsqu'il interdisait un mal. Il a parlé sur beaucoup de sectes. Parmi les sectes sur lesquelles il a parlé sur Al-Ibadiyya. Al-Ibadiyya, qui est une secte qui a beaucoup d'égarements. Parmi les égarements de cette secte, c'est qu'il renie le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il parle en mal aussi sur les compagnons du prophète alayhi sallam. Parmi les khbabar ou l'ayyadu billah, il dit sur Uthman radiyallahu anhu, qui est un des 10 auxquels le prophète alayhi sallam a promis le paradis, Al-Khalif al-Rashid, le troisième ou le quatrième calife de l'islam, ils disent sur Uthman radiallahu anhu que c'est le pharaon de cette communauté. Et de même qu'il renie beaucoup de caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala comme sifatul haya, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la caractéristique de la science, Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Et également
il nie sifatul qudra, le caractère de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, ils renient, ils disent tous les caractères qu'ont les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas. Si l'être humain voit, Allah ne peut pas dire qu'il voit. Si l'être humain entend, on ne peut pas dire qu'Allah entend. Si l'être humain sait, on ne peut pas dire qu'Allah sait, etc. Alors que Ahlul Sunnah wa Jama'ah, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala voit, mais ne voit pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala entend, mais il n'entend pas comme ses créatures, etc. Et Cheikh Mukbir rahimahullah a aussi parlé sur les Zaydiyah, qui est une des factions des chiites. Il a aussi parlé sur Jama'at al-Takfir, sur ce groupe qui rend mécréants les musulmans ou les gouverneurs sans règles. Il a aussi parlé sur les frères musulmans, sur Jama'at al-Tablir. Cheikh Rahimallah a écrit beaucoup de livres où il répond aux gens égarés. Il répond dans un de ses livres à ceux qui ne croient pas au hadith de la sorcellerie. Le hadith rapporté par Muslim qui cite le fait que le prophète a été ensorcelé. Le hadith est authentique, rapporté par Sahih Muslim. Et les savants ont expliqué le fait que le prophète a été ensorcelé, cela n'a en aucun cas influé sur la da'wa du prophète, sur ce qu'il enseignait aux gens, sur ce qu'il transmettait de l'islam. En aucun cas, sa sorcellerie avait un impact sur cela. La seule chose où la sorcellerie avait un effet sur le prophète, comme le prophète l'a dit lui-même, il voulait faire une chose mais il ne pouvait pas. Physiquement, il voulait faire une chose, mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose qui l'empêchait. Mais quant à ses paroles, à ce qu'il disait, le prophète était parfait dans cela. Il était protégé. Ses paroles étaient une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a même répondu à ceux qui disent que les tremblements de terre sont le fruit de la nature. Cheikh Rahimallah a écrit un livre où il répond aux athées qui disent que les tremblements de terre ne sont que le fruit de la nature. Cheikh Rahimallah a répondu avec les versets, avec les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, et a prouvé que les tremblements de terre avaient une cause, et a cité entre autres les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens que lorsqu'une musiba vous atteint, lorsqu'un mal vous atteint, c'est parce que c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Le sens du verset. En gros, si une musiba, si un mal nous atteint, ce n'est que la conséquence de nos péchés. Cheikh Rahimallah a écrit ce livre en suivant cette thèse. De même qu'il a répondu à Abdurrahim al-Tahan, il a parlé sur Abdurrahim al-Tahan, qui entre autres dit que de voir le prophète alayhi salatu wasalam équivaut à adorer à l'adoration de 1000 ans. Abdurrahim al-Tahan, ce soufi, qu'Allah le guide, parmi ses égarements, dit que de voir le prophète alayhi salatu wasalam, cela équivaut à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 ans. Et il n'y a aucun doute que c'est du relou, que c'est de l'abus sur le prophète alayhi salatu wasalam. Et Cheikh Rahimallah lui a répondu, de même qu'il a parlé sur Al-Qardawi, il a montré ses égarements, il a parlé sur les soufis, sur Al-Rawafid, qui sont les pires, la pire faction des chiites, ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam et les rendent mécréants. Et de même qu'il a répondu à ceux qui combattent la sunna du prophète alayhi salatu wasalam dans son livre Riyadul Jannah fi Radd 'ala A'da'i Sunnah. Et ainsi de suite, Cheikh Rahimallah, lorsqu'il voyait un mal, lorsqu'il entendait une personne dire des égarements ou s'égarer, Cheikh Rahimallah s'empressait de montrer la vérité et de mettre en garde les musulmans contre ces personnes. Une fois, Cheikh Rahimallah marchait dans la mosquée de la Mecque, au deuxième étage, comme le rapporte un de ses élèves. Il a vu des soufis qui étaient assis en cercle et qui commençaient à danser en disant leur azkar, en disant leur rappel. Vous savez, les soufis, ils ont des rappels qui sont
des innovations en islam, comme de dire la ilaha, la ilaha, la ilaha, illallah, 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 des rappels, des adhkar qui n'ont aucune base ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète. Et Cheikh Rahimallah était un des émettages du Haram al-Makki, de la mosquée de la Mecque, et a vu des soufis qui étaient en cercle, qui commençaient à faire des mouvements de danse en faisant ces adhkar, ou dans la mosquée de la Mecque, Cheikh Rahimallah est parti au milieu du cercle. Et il dit Wasihto, et j'ai crié Buyutullahi tuhan, les mosquées ou les maisons d'Allah sont humiliées. Cheikh Rahimallah a crié de toutes ses forces. Et les soufis se sont arrêtés. Et c'est à ce moment-là que des gardes ou des militaires qui étaient présents à la mosquée de la Mecque sont venus et ont séparé et ont divisé ces soufis. Rahimallah, il n'avait peur de rien. Rahimallah, il n'avait peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Cheikh Rahimallah a parlé sur des gens égarés à notre époque comme Ben Laden. Cheikh Rahimallah a parlé sur Ben Laden. Comme cela a été rapporté dans une revue koweïtienne qui date de 1998. Cheikh Rahimallah a dit « Je me désavoue de Ben Laden. C'est une personne mauvaise. » Et فَهُوَ شَعُومٌ وَبَلَاءٌ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَعْمَالُهُ شَرٌ. C'est une épreuve pour cette communauté et tous ses actes ne sont que le mal. Cheikh Rahimallah, cela en 98. Et dans le même article, une question lui a été posée et la question est la suivante concernant tous les attentats qui ont lieu dans le monde. Beaucoup de musulmans reçoivent des menaces ou sont oppressés dans les pays d'Occident. Que dites-vous de cela? Cheikh Rahimallah a répondu en disant A'lamu dhalik, je sais tout cela. Des frères de Grande-Bretagne m'appellent et se plaignent de tout ce qui est fait contre eux. Et ils me demandent, est-ce qu'ils ont le droit de montrer leur désavouement envers Ben Laden. Cheikh Rahimallah leur a répondu, quant à Ben Laden, nous nous sommes désavoués de lui depuis très longtemps. C'était en 98. Cheikh Rahimallah avait déjà mis en garde contre Ben Laden depuis très longtemps. Rahimallah ta'ala. Il n'avait peur de rien, Rahimallah. De même que Cheikh Rahimallah, concernant Ben Laden, les savants ont mis en garde contre lui. Parmi eux, comme je vous l'ai dit, Cheikh Muqbil ibn Hadi, mais de même, Cheikh ibn Baz, Rahimallah, a mis en garde contre Ben Laden et a dit Ben Laden, min al-mufsidin fil ard, wa yataharra turuq al-shar al-fasida. Cheikh ibn Baz, Rahimallah, a dit Ben Laden fait partie des moufsidines, de ceux qui font ou qui sèment la turpitude sur terre et qui suivent les voies du mal et les voies destructrices. De même que Cheikh Najmi rahimahullah a mis en garde contre lui, et à notre époque, tous les savants, alhamdulillah, mettent en garde contre cette personne et contre ses actes. Donc on n'a pas besoin d'attendre les condamnations des non-musulmans ou de l'Occident sur Ben Laden. Alhamdulillah, nos savants ont mis en garde contre Ben Laden depuis une dizaine d'années. De même que Cheikh Rahimallah était motivé dans l'apprentissage de la science. Et prenez beaucoup soin de ses élèves. Cheikh Rahimallah avait de la peine et parfois pleurait lorsqu'il voyait ses élèves en manque et en besoin. Ils ont demandé à Cheikh, est-ce qu'on a le droit de montrer notre désavoue
sur Ben Laden. Cheikh Rahimullah a répondu concernant Ben Laden, nous on s'est désavoué, donc ce qui parle de lui, on s'est désavoué de lui et de ses actes depuis très longtemps. La réponse elle est claire. Allez. Bien sûr que vous pouvez vous désavouer de lui, nous ça fait déjà des années qu'on vous a précédé à cela. Et Cheikh Rahimallah, comme je dis, prenait beaucoup soin de ses élèves et avait de la peine lorsqu'il voyait ses élèves en manque. Il faisait tout son possible pour subvenir à leurs besoins. Et il disait aussi, Rahimallah, dans certains de ses cours, la plus grande difficulté que je rencontre, plus grande que de combattre les gens de l'innovation et plus grande encore que d'écrire des livres et de subvenir aux besoins de mes élèves. C'était la plus grande difficulté que Cheikh Rahimallah avait. Une fois, un de ses élèves est venu frapper à sa porte et a dit à Cheikh qu'il voulait se marier et qu'il avait besoin d'argent. Cheikh Rahimallah, après être rentré chez lui, lui a autorisé de rentrer et lui a donné une somme d'argent et a dit à cet élève, c'est tout ce que j'ai en ma possession. Je te donne cette somme d'argent, c'est tout ce que j'ai en ma possession et Inch'Allah ta'ala repasse une prochaine fois et je te donnerai la même chose. Et cet élève est effectivement repassé une prochaine fois, la fois suivante, et Cheikh Rahimallah lui a donné la même somme d'argent. De même, lorsqu'il sortait de son cours après le dhuhr et que des élèves venaient le questionner, Cheikh Rahimallah leur proposait de venir manger chez lui. De même que Cheikh Rahimallah, kana azizun nafs, il avait une grande personnalité et une grande fierté. Il avait de la peine, il avait du mal, il était gêné lorsqu'il devait demander de l'aide. Cheikh Rahimallah, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il aimait le faire par lui-même. Lorsqu'il avait un besoin quelconque, il aimait subvenir à ce besoin lui-même, par ses propres moyens. Et le dernier recours était de demander aux autres. Et Cheikh Rahimallah était gêné de demander de l'aide à l'extérieur. Et lorsque Cheikh Ibn Baz Rahimallah a appris cela, cette gêne de Cheikh, il a écrit à Cheikh Mukbel, il lui a dit « Wa'abu Abu Abdurrahman ». Demande et Inch'Allah tu seras récompensé. Et Cheikh Rahimallah, lorsqu'il recevait de l'argent, il l'utilisait pour le bien de ses élèves. Cheikh Rahimallah, pour montrer sa forte personnalité, disait lorsqu'il étudiait Al-Jami' Al-Hadi, l'école Al-Hadi, comme je vous ai dit, lorsqu'il a été obligé par les chiites d'y entrer, Cheikh Rahimallah dit que des fois il lui restait un peu de pain. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ce bout de pain qui lui restait et le mettait dans un trou qu'il y avait dans un mur. Cheikh Rahimallah le mettait dedans pour le préserver. Et lorsqu'il en avait besoin, les jours où il n'avait pas beaucoup à manger, Cheikh Rahimallah dit, je retournais à ce mur, je rentrais ma main dans le trou pour chercher le bout de pain. Et lorsque je le ressortais, je voyais qu'il y avait des araignées dessus, des toiles d'araignées, qu'il y avait de la poussière. Et Cheikh Rahimallah dit qu'il essuyait la poussière de ce pain et qu'il le trempait dans l'eau. Enfin, le pain était dur. Cheikh Rahimallah le trempait dans l'eau. Et il dit, et s'il trouvait une tomate, alhamdoulilah, c'était le comble. Et sinon, il mangeait comme ça. Rahimallah ta'ala. Et c'est ainsi que Cheikh Rahimallah conseillait ses élèves et leur disait que le meilleur travail de la personne, l'argent qu'il a, le meilleur argent que la personne peut avoir est celui qu'il a eu par le travail, par la sueur de son front. Et il disait souvent à ses élèves de patienter sur la pauvreté, car la pauvreté était ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Et il faisait même des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le ressuscite avec les pauvres. Quant à sa patience, Cheikh Rahimallah était quelqu'un de très patient. Il a patienté sur beaucoup de maladies, et entre autres, sa dernière maladie qui était un cancer du foie.
Cheikh Rahimahullah, malgré sa maladie, malgré les conseils des médecins d'arrêter ses cours, Cheikh Rahimahullah ne les a pas délaissés et a continué à donner ses cours même lorsqu'il était très malade. Une fois, un de mes cheikhs du Yémen est entré chez Cheikh Rahimahullah et il a vu que Cheikh était très malade, était extrêmement malade. Et lorsque Cheikh a voulu sortir pour donner son cours, son invité, le cheikh qui était invité chez lui, lui a dit: mais cheikh, tu es trop fatigué, tu ne peux pas. Dis à quelqu'un d'autre de te remplacer. Cheikh Rahimahullah a répondu: la wallahi la atruku hadhihi al-wujuh at-tayyibah. Non, par Allah, je ne délaisserai pas ces visages resplendissants. En parlant de ses élèves. Et un de ses élèves l'a vu une fois sortir de chez lui avec un plâtre au bras. Lorsqu'il a demandé ce qui était arrivé à Cheikh, on lui a dit que Cheikh Rahimahullah était tombé chez lui et qu'il s'est cassé le bras, mais cela ne l'a pas empêché de sortir et de donner son cours, Rahimahullah. Même dans sa maladie à la Mecque, lorsqu'il a été à Jeddah, lorsqu'il a été transféré, lorsqu'il a voyagé en Arabie pour se faire soigner, même à la Mecque, où il avait beaucoup maigri et que sa peau collait à ses os, Cheikh Rahimahullah accueillait les élèves et répondait à leurs questions et patientait, Rahimahullah. Quant à son zuhd, comme je vous ai dit, zuhd, c'est de délaisser les choses dans cette vie d'ici-bas qui ne sont pas profitables dans la vie de l'au-delà. Cheikh Rahimahullah était l'exemple même du zuhd à notre époque. Un de ses élèves, qui était venu de la Mecque, qui ne l'avait jamais vu, qui était venu de la Mecque pour apprendre chez Cheikh, à Dammaj, en arrivant à Dammaj, il a demandé qu'on lui indique la mosquée de Cheikh Rahimahullah. Il est entré dans la mosquée, il s'est installé et a surveillé la porte pour voir à quel moment, pour voir le cheikh entrer. Donc tous ceux qui rentraient, ils surveillaient et il a vu un homme entrer et pensait que c'était la personne qui s'occupait de la mosquée, de nettoyer la mosquée, de balayer. Lorsqu'on a dit que c'était lui le cheikh, c'était lui, Cheikh Mukhbir, rahimahullah. Il était étonné de sa façon de s'habiller, qui était très modeste et qui n'était en aucun cas différente de la façon de s'habiller de ses élèves, rahimahullah. Cheikh, rahimahullah, ne donnait aucune importance à toutes les choses de cette vie d'ici-bas. Parmi les choses qui sont dites sur lui, lorsqu'on lui offrait par exemple une voiture, un 4x4, Cheikh, rahimahullah, le vendait. Et on achetait deux. Lorsqu'on lui offrait un 4x4 récent, Cheikh Rahimahullah le vendait et on achetait deux moins récents. Pourquoi ? Pour apporter le plus de bien à la da'wah et pour être au plus au service de ses élèves. Quant à sa maison, Rahimahullah Ta'ala, c'était une maison très modeste. Et Alhamdulillah, Allah m'a accordé le bienfait de visiter Cheikh chez lui. Et en entrant chez lui, subhanallah, c'est une maison très modeste avec un toit, c'est des troncs d'arbres rongés par les ermites, avec le tapis, c'est al-hasir, c'est des tapis qu'on prend en voyage, là, les trucs avec des rayures, on s'assoit dessus une heure, on a des traces de rayures sur nos jambes. C'est, subhanallah, une maison très modeste, en terre cuite bien sûr. Et une fois, plusieurs personnes qui voulaient acheter une maison à Cheikh sont venues le voir et lui ont dit: Cheikh, on a de l'argent à te donner pour te construire une maison. Cheikh Rahimahullah a dit: donnez-moi l'argent. Et ils lui ont donné l'argent. Cheikh Rahimahullah a construit une grande mosquée et au-dessus de la mosquée, il a construit une toute petite chambre. Et lorsque ces personnes sont revenues voir Cheikh, ils ont dit: Cheikh, c'est bon, t'as construit ta mosquée. Il a dit: vous voyez là-bas, la mosquée, la petite chambre qu'il y a au-dessus, ben c'est ça, c'est ma maison. Rahimahullah ta'ala. Et parmi sa modestie, la modestie de Cheikh, lorsqu'il marchait dehors et qu'un petit enfant l'appelait, Cheikh Rahimahullah s'arrêtait, discutait avec lui, lui demandait s'il avait besoin de quelque chose. Parmi aussi sa modestie, lorsque Cheikh Rahimahullah donnait son cours à la mosquée,
Donc la mosquée, alhamdoulilah, j'ai aussi eu l'occasion de la voir. C'est une mosquée immense qui prend plus de 2000 personnes. Donc Cheikh Rahimallah donne son cours avec beaucoup d'élèves devant lui. Et souvent, des petits enfants de 3 à 4 ans venaient jusqu'au conseil de Cheikh et disaient: Cheikh, je veux lire un hadith. Et Cheikh Rahimallah rigolait, arrêtait son cours, prenait le petit ou demandait qu'on prenne le petit, le posait sur ses genoux et donnait le micro au petit enfant. Et le petit enfant commence à réciter le hadith. Et le Cheikh Moukbel Rahimallah souriait pour montrer sa modestie même envers les petits-enfants. Les jours de l'Aïd, les jours de l'Aïd al-Adha ou de l'Aïd al-Fitr, Cheikh Rahimallah sortait avec ses élèves à l'extérieur, sortait à la campagne et restait avec eux, participait à leur joie et leur bonne humeur et faisait des grands cercles. Et il y avait des élèves qui faisaient des démonstrations de karaté, des élèves indonésiens, d'autres parmi des élèves américains qui faisaient des démonstrations de boxe. Et Cheikh Rahimallah restait avec eux jusqu'à un peu avant Al-Maghrib. Donc il restait quasiment toute la journée avec ses élèves, Rahimallah. Et ce qui était connu aussi de Cheikh, c'est qu'il marchait souvent pieds nus. Cheikh Rahimallah était connu aussi pour marcher pieds nus. Et parmi aussi les gestes qui montrent sa modestie, rahimallah, lorsque j'étais invité chez lui, c'est lui qui apportait la nourriture. On était assis dans la chambre des invités, et c'est pas une autre personne qui est venue ramener le plat, c'est Cheikh, rahimallah, celui qui a ouvert la porte, qui a pris le plat, qui l'a posé sur la table et qui nous a dit tafaddal, rahimallah. Cheikh Rahimallah était quelqu'un de très motivé, très courageux, comme je vous ai dit, dans sa da'wah. Lorsqu'il appelait à l'islam, lorsqu'il appelait à la sunnah du prophète alayhi sallam. Il disait, il conseillait beaucoup ses élèves et n'acceptait pas, il disait à ses élèves: je n'accepte pas que vous appreniez et que vous ne transmettiez pas le savoir que vous avez acquis. Mais vous devez à la fois rassembler la science et la prêche, et le prêche. Cheikh Rahimallah voyageait dans toutes les régions du Yémen quasiment pour la da'wah. Et lorsque Cheikh sortait pour la da'wah, c'était des caravanes qui le suivaient, Rahimallah. Des caravanes de gens qui le suivaient, qui l'accompagnaient. Et les tribus, lorsqu'elles apprenaient la nouvelle de la venue de Cheikh Rahimallah, ils étaient contents, ils accueillaient Cheikh Rahimallah avec des poèmes propres à leur tribu. Des fois, ils accueillaient Cheikh Rahimallah avec des coups de feu tirés en l'air. Et pour montrer aussi sa motivation dans la da'wah, une personne, un journaliste d'une émission radio londonienne, Afwan, est venu à Dammej. Et voulait parler avec Cheikh, voulait faire sa connaissance et interviewer Cheikh. Et Cheikh Rahimallah lui a dit: qu'est-ce que tu penses que tu te convertisses? Et après on discute ensemble. Et Cheikh Rahimallah a conseillé cet homme, l'a appelé à l'islam. Et ça, malheureusement, ça nous manque beaucoup à notre époque. On néglige souvent le fait d'appeler les non-musulmans à l'islam. Et Cheikh Rahimallah a parlé avec cet homme, avec ce journaliste. Lui a montré l'islam, lui a montré les bienfaits de l'islam et il lui a demandé de se convertir, mais l'homme a refusé. Cheikh Rahimallah a refusé de parler avec lui. Il dit: dans ce cas-là, pas d'interview. Si tu veux pas te convertir, pas d'interview. Et l'homme est resté plusieurs jours à Dammej, assister au cours de Cheikh, en espérant que Cheikh cède et pitié de lui. Et Cheikh Rahimallah n'a pas changé d'avis et lui a dit: si tu veux que je fasse un interview avec toi, convertis-toi à l'islam. Et l'homme est resté quelques jours et ensuite est rentré chez lui. Cheikh Rahimallah donnait des cours avant Dohr, donnait des cours après Dohr, donnait des cours après l'Asr, donnait des cours après le Maghrib et donnait des cours après l'Aïcha. Et lorsqu'il parlait dans la science Ilm al-Rijal, la science des rapporteurs du Hadith, on avait l'impression que c'était le plus savant dans cette science. Et subhanallah, quand j'assistais à ses cours,
Cheikh Rahimahullah faisait un cours sur Sahih Muslim et lisait le sanad, il lisait la chaîne de transmission. Un tel, fils d'un tel, un tel, fils d'un tel. Il lit d'abord le hadith entièrement, ensuite il explique. Un tel, fils d'un tel. Alors, Muhammad ibn Ilyas. Et il est né à telle année, il a vécu dans tel endroit, son père s'appelle, etc. Et les savants ont dit de lui, par exemple, qu'il est fiqa, que c'est une personne de qui on peut prendre le hadith. D'autres qui disent, non, il est faible. D'autres qui disent, sa mémoire n'était pas très bonne. Et c'est comme ça. Sans livre, sans rien du tout. Rahimahullah ta'ala. J'ai demandé à certains de ses élèves, j'aurais dit, mais Cheikh, il ne se trompe jamais. Tous ces rois, tous ces rapporteurs de hadith, un tel fils d'un tel, il est né à telle année, il a vécu dans tel pays, dans telle ville, son père, ça. Et on dit, non, Cheikh, Rahimahullah, c'est comme son sang, ça. Ça circule dans son sang normalement, ça. Rahimahullah ta'ala. Et il parlait souvent, il posait souvent des questions concernant la grammaire arabe à ses élèves, des questions pointues. Et ses élèves avaient beaucoup de mal à réviser avec Cheikh Rahimallah, dans la science du Nahou. Cheikh Rahimallah était connu pour être très fort en langue arabe. Et lorsque des questions lui étaient posées, c'est là où on voit vraiment la science de Cheikh, où il répond, où il cite les versets du Coran, où il cite les hadiths du prophète alayhi salam, avec une très grande facilité, où il, il rassemble entre les preuves, il rassemble entre les hadiths, entre les versets, et on ressort et on déduit tous les jugements qui étaient en rapport avec la question. Et Cheikh Rahimallah, dans ce cours entre le Maghrib et l'Isha, descendait souvent de sa chaise. Donc, la chaise de Cheikh Rahimallah était assez élevée. Comme je dis, la mosquée était immense. Et de ce fait, Cheikh Rahimallah était assis dans un endroit très élevé. Et Cheikh, entre le Maghrib et l'Isha, descendait souvent de sa chaise et parcourait la mosquée. Demandait, posait des questions à ses élèves. Lorsqu'il voyait un élève qui commençait à dormir, Cheikh Rahimallah disait, lève-toi. Et l'élève devait rester debout jusqu'à ce que Cheikh Rahimallah lui dise, assis-toi. Et on voit vraiment dans les cours de Cheikh Rahimallah que ses élèves ont un respect pour Cheikh et ont peur de Cheikh. Alors, Cheikh Rahimallah, lorsqu'il faisait un cours sur Sahih Muslim, il posait des questions sur le hadith d'avant. Il fallait qu'on le récite. Il fallait que les élèves le récitent. Et donc toujours au cours, au début du cours, on voit les élèves en train d'apprendre, en train de réviser tout ça, parce que Cheikh connaît les élèves. Ils étaient nombreux, ces élèves, mais Cheikh les connaissait. Il était assis sur sa chaise et il disait Mohamed, et il se levait, ou un tel, et il se levait, récite-moi, et il devait réciter le hadith. Et on voyait les élèves au début du cours en train de réviser, en train de peur que Cheikh Rahimallah les questionne. Quant à ses ennemis, Cheikh Rahimallah avait beaucoup d'ennemis, comme je vous ai dit. Il parlait beaucoup sur les sectes, montrait leur égarement. Parmi ses ennemis, il y a l'Ibadiyah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a les soufis, Jama'at al-Takfir, que Cheikh Rahimallah a appelé Jama'at al-Fasad, le groupe de la turpitude. De même que Cheikh, parmi ses ennemis, il y avait les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, et Jama'at al-Tablir. Et ses ennemis en sont venus même a essayé de tuer Cheikh Rahimallah. Plusieurs fois, Cheikh Rahimallah a été victime de tentatives de meurtre. Une fois, lorsqu'il était dans une mosquée, il avait une rencontre avec d'autres mashayikhs du Yémen, et à sa sortie, il y avait deux personnes qui l'attendaient avec des grenades. Et alhamdulillah, les grenades ont explosé avant l'arrivée de Cheikh et ont tué ces deux personnes qui voulaient tuer ce grand savant, rahimahullah. Et quant aux personnes qui ont essayé de l'attaquer directement, ceux-là, on ne les dénombre même plus. Le nombre de fois où Cheikh rahimahullah a été agressé, ou on a voulu l'agresser physiquement directement avec un couteau ou autre, c'était très souvent. Cheikh rahimahullah avait toujours des gardes du corps avec lui, toujours. Il y avait des gardes du corps devant chez lui, des gardes du corps lorsqu'il sort de chez lui pour aller à la mosquée, lorsqu'il sort de la mosquée pour aller chez lui. Et Cheikh Rahimallah était aussi armé.
Il fait son cours avec un pistolet. Avec un pistolet sur sa policière. Une sorte de policière, et Cheikh Ahmed avait toujours son pistolet. De toute façon, c'est connu au Yémen. Les gens sont armés là-bas, mais c'est pas par violence en général, c'est plus par tradition. Les gens là-bas ont. Première tradition, c'est d'être armé. Et de voir une personne armée au Yémen, c'est pas du tout choquant. Et. Une fois, aussi, donc ses ennemis ne se contentaient pas d'oppresser Shir uniquement, mais ils oppressaient aussi ses élèves. Il y en avait aussi qui ont mis des grenades dans Majid al-Khayr, la mosquée qui est connue à Sana'a, un vendredi pendant Khutbat al-Jumu'ah. Et Alhamdulillah, l'imam, ce jour-là, avait fini la Khutbah plus tôt que d'habitude. Donc les gens sont sortis, et lorsque les grenades ont explosé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la mosquée. De même que des bombes ou des roquettes ont été envoyées, ou des obus ont été envoyés dans certaines maisons à Dammej, les maisons des élèves. Donc Cheikh Rahimullah a patienté beaucoup. Et comme il disait au début, la difficulté qu'il rencontrait envers les gens de l'innovation, pour lui c'était rien. La difficulté qu'il avait envers ses élèves de subvenir à leurs besoins, pour lui c'était la plus grande des difficultés qu'il avait. Subhanallah. Qu'il risque sa vie en donnant des cours, en sortant, etc. Il n'en avait pas. Peu importe pour Cheikh. Ce qui m'importe, lui, c'est que ses élèves apprennent et qu'ils apprennent dans de bonnes conditions. Et je vais vous citer maintenant ce qu'une de ses femmes, rahimallah, une de ses femmes qui s'appelle Shu'aib, une des femmes de Cheikh, rahimallah, parle de son mari, parle de Cheikh Muqbil. Et dit, donc j'ai résumé un peu ses paroles, elle dit qu'elle a vécu, donc j'ai vécu 10 ans avec Cheikh Muqbil, rahimahullah. Il était avec moi miséricordieux, il était bon et il était wakana jawadan. Il était donc miséricordieux, il était bon et jawadan, il était généreux. Il était généreux avec moi. Il se levait après le premier adhan du Fajr. Donc, comme vous savez, le Fajr, ça rappelle Fajr, il y a 2 adhan, le premier et le second. Le premier, c'est pour réveiller les gens, et le second, c'est pour informer de l'entrée de l'heure. Et en général, ça dépend des pays, mais le premier adhan, il a lieu en général 1 heure avant. 1 heure avant le second. Cheikh Rahimallah se levait après ce premier adhan, et des fois avant, et il priait le witr, soit une raka'at, soit 3 ou plus, selon son état physique, selon s'il était malade ou pas, selon s'il était fatigué ou non. Et Cheikh Rahimallah donnait des cours à sa fille, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à sa fille Oum Abdillah, après la prière de l'Isha, et de même que ses femmes lisaient sur lui son livre Dala'il al-Nubuwa, un livre que Cheikh Rahimallah a fait, As-Sahih al-Musnad, Min Dala'il al-Nubuwa, je pourrais traduire par ce qui a été rapporté d'authentique dans les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses femmes donc, lisaient de ce livre, et Cheikh Rahimallah leur expliquait. Et ensuite, après l'Isha, il descendait dans la bibliothèque où il étudiait avec des élèves, il mangeait avec eux, restait avec eux un certain moment. Puis il retournait chez lui et m'enseignait, donc c'est la femme de Cheikh qui parle, et m'enseignait un livre qui s'appelait Al-Mutammima. Et ceci, avant de dormir, Cheikh Rahimallah était allongé, et moi je lisais sur lui, et il m'expliquait. Et elle dit aussi de Cheikh Rahimallah qu'il était très généreux, et il ne pouvait pas s'empêcher, lorsqu'il voyait des enfants chez lui, de leur offrir ce qu'il possédait. De leur offrir des dattes, de leur offrir des raisins secs ou des raisins. Et Cheikh Rahimallah, comme le dit sa femme, Oum Shu'aib, n'achetait pas de vêtements neufs le jour de l'Aïd. Cheikh Rahimallah refusait d'acheter des vêtements neufs le jour de l'Aïd. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas faire de peine à ses élèves qui n'avait pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. Il disait à sa femme,
donne-moi ce qu'il y a de présent, donne-moi déjà les vêtements que j'ai en ma possession. Et ce qui est connu pour l'Aïd, c'est de mettre des vêtements neufs et des vêtements présentables. Cheikh Rahimallah s'abstenait de cela pour ne pas faire de la peine à ses élèves. Et comme elle le dit aussi, Cheikh Rahimallah, c'était lui qui apportait la nourriture à ses invités, la plupart du temps. Elle dit aussi que Cheikh Rahimallah encourageait, c'est-à-dire ses femmes, à l'apprentissage du ilm. Elle disait aussi, Cheikh Rahimallah était juste envers ses femmes dans ce qu'il leur donne, même dans ce que ses femmes lisaient ou de ce qu'elles entendaient de lui ou de, dans leurs questions. Donc Cheikh Rahimallah essayait au plus possible, au maximum, d'être juste avec ses femmes, même lorsqu'elles lisaient sur lui. Il fallait qu'elles lisent à peu près la même quantité sur lui. Lorsqu'il répondait à leurs questions, il fallait qu'il réponde à peu près au même nombre de questions pour toutes ces femmes. Il ne fallait pas qu'il réponde à plus de questions que d'une de ses femmes qu'à une autre. Et Cheikh Rahimallah, elle dit, Cheikh Rahimallah faisait du sport, faisait de l'effort physique après la prière du Fajr. Il descendait en bas dans la mosquée des femmes qui était vide. Et Cheikh Rahimallah courait. Il courait et elle dit que Cheikh Rahimallah faisait la course avec nous, avec ses femmes. Et il les précédait. Et vers la fin de sa vie, on faisait également la course avec lui. Et cette fois-ci, c'était nous qui le précédions. Donc, Cheikh Rahimallah, on voit comment il était avec ses femmes, avec sa famille. À notre époque, qui court avec sa femme, qui prend le temps de faire du sport avec sa femme, ou d'enseigner à sa femme, ou de l'encourager à apprendre la science. Et elle dit aussi, c'était Cheikh Rahimallah qui coupait le bois pour la maison. Et Cheikh Rahimallah avait aussi une parcelle de terre qu'il entretenait, il cultivait des fruits et des légumes afin d'entretenir sa santé. Et elle dit aussi que Cheikh Rahimallah avait une forte personnalité et avait une grande fierté. Et lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il le faisait par lui-même. Et ceci était connu aussi des compagnons, lorsqu'un compagnon était sur sa chamelle et qu'une chose tombait par terre et qu'il y avait un autre compagnon en bas qui pouvait lui apporter, les compagnons ne le demandaient pas. Ils descendaient de la chamelle c'est haut, ils descendaient de la chamelle, prenaient la chose qui était tombée et remontaient. Et ainsi étaient les sèvres, radiallahu anhu. Et elle dit aussi que lorsque Cheikh Rahimallah a dû voyager, a dû sortir du Yémen pour se faire soigner, elle disait que ses élèves lui manquaient beaucoup. Et il parlait souvent de ses élèves avec des larmes, rahimallahu ta'ala. De même que Cheikh Rahimallah était connu pour suivre la sunna et l'appliquer au mieux que possible. Et ceci même durant la fin de sa vie, lorsqu'il était en Arabie, quelques heures avant que Cheikh Rahimallah tombe dans le coma et meure par la suite, une des personnes présentes lui a dit Afak Allah, Inch'Allah. Elle lui a dit à Cheikh qu'Allah te guérisse, Inch'Allah. Et Cheikh Rahimallah, dans cet état, a reproché à cette personne et lui a dit Ijzim fi dua. C'est-à-dire, sois sûr dans ta dua, ne dis pas Inch'Allah, dis qu'Allah te guérisse. Et Cheikh Rahimallah lui a dit فَلَمْ يَرِدْ لِيْسْتِثْنَا إِلَّا فِي مَوْضِعْ طَهُورٌ Inch'Allah. Car le seul endroit dans la sunna où il était rapporté Inch'Allah, c'est dans la dua, lorsque tu rends visite au malade, de lui dire طَهُورٌ Inch'Allah. Cheikh Rahimallah lui a fait cette remarque et subhanallah, on va dire que c'est une faïda, que dans les dua, la base c'est qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans dire Inch'Allah. On ne dit pas oh Allah ihdini, Allahumma ihdini Inch'Allah. Non. On va dire Allahumma ihdini. Cheikh Rahimallah lui a dit Ijzim fi dua. Sois persuadé, sois sûr dans ton invocation. Et Inch'Allah n'a été rapporté que dans Tahurun Inch'Allah, dans l'invocation que la personne dit au malade en lui disant Tahurun Inch'Allah. Et Cheikh Rahimallah plaisantait aussi. Il plaisantait avec ses élèves.
Et une fois, il avait fait une course à pied avec un de ses élèves qui avait été plus vite que lui. L'élève avait été plus vite que le Cheikh Rahimallah dans sa course. Et entre le Maghrib et l'Aïcha, Cheikh Rahimallah a posé une question à cet élève, une question pointue. Et l'élève n'a pas pu répondre. Cheikh Rahimallah a dit Hadihi bitilk. Celle-ci, c'est pour l'autre. Rahimallah. Et tous les élèves qui étaient présents ont rigolé. Et personnellement aussi, avec Cheikh Rahimallah, lorsque j'avais été lui rendre visite, il m'avait accordé de. J'avais des questions à lui poser, il m'avait accordé de lui poser entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc c'est là où j'ai vu la grandeur de la mosquée, parce que les frères qui étaient au fond, je distinguais même pas leur visage, pour montrer à quel point la mosquée était grande. Et donc j'avais des questions à poser à Cheikh. Cheikh Rahimallah m'a autorisé à les poser entre le Maghrib et l'Aïcha. Moi je voulais les poser à Cheikh en tête à tête. Cheikh a dit non, Hatel c'est fait de l'Algérie. Non, on va les poser entre le Maghrib et l'Aïcha, comme ça la plupart des gens profiteront. Puis moi j'étais pas trop... J'étais pas trop enthousiaste, j'étais timide, j'avais le trac, etc. D'être devant les tourbab ilm, première fois que je me retrouve devant tant de personnes. Donc Cheikh Rahimallah m'a autorisé, donc j'avais commencé à poser des questions. Et parmi les questions que j'avais posées à Cheikh, je lui ai dit, la question que j'avais posée, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir pour écouter le bayan des jama'at tablir, les bayan qu'ils font entre le Maghrib et l'Aïcha? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir et d'écouter leur bayan? Et Cheikh Rahimallah a rigolé et m'a tiré par l'oreille. J'étais assis à sa droite, il m'a pris par l'oreille, il m'a dit « Tu veux t'asseoir, écouter ?»« Ayu bayan in tajlisu tastami'a ?» Il m'a dit « Mais quel bayan tu veux écouter, t'asseoir et écouter ?» Et tout le monde a rigolé, Rahimallah. Il est décédé, Rahimallah, en 2001, en été 2001, à l'âge de 69 ans, Rahimallah ta'ala. C'était un grand savant de notre époque qui était la chose qui était plus connue de Cheikh Rahimallah était sa condamnation du Munkar. Lorsqu'il voyait un mal, il le condamnait, quelle que soit la personne qui le dit, quelle que soit la personne d'où provient ce Munkar. Et Cheikh Rahimallah était aussi connu pour son zuhd, pour son délaissement de cette vie d'ici-bas. رحمة الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.